Hello, hello, c'est Cassemus pour ce jeu technique. Donc, qu'on m'a demandé, c'est Barjon très précisément qui me l'a demandé. Donc, c'est les longs ballons en argent. Et je sais que c'est un jeu technique qui pose pas mal de soucis. Ce qu'il faut savoir, c'est que les trois barils au premier plan agissent comme multiplicateurs. C'est écrit dans l'énoncé au démarrage. Et donc, en fait, pour être très clair, il suffira de tirer trois fois dans ces barils-là. Et ensuite, de tirer dans les barils éloignés pour pouvoir passer facilement ce jeu technique. Alors j'ai une solution pour tirer dans les premiers barils, c'est tout simplement de maintenir la touche L1, LB et la touche avant. Une fois que vous recevez le ballon, que vous touchez le ballon, tout simplement, c'est d'appuyer sur la touche de long ballon. Assez brièvement, vous voyez à peu près la jauge que je mets. Et ça rentrera quasi à chaque fois. Vous n'aurez plus après qu'à lancer votre ballon dans les barils éloignés pour pouvoir faire 20 000 points. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut absolument pas briser la chaîne, il ne faut pas rater. Une fois que vous aurez raté, votre multiplicateur retombera à zéro. La difficulté, c'est de tirer dans les barils éloignés. Alors j'ai pas vraiment de technique. Ce que je peux vous conseiller, c'est de viser les barils les plus éloignés. Et pour ce faire, vous allez remplir votre jauge à fond. Et comme ça, il n'y a pas trop de questions à se poser. Vous tirez à fond et normalement, vous avez des chances de mettre votre ballon dans les barils du fond. Vous pouvez bien évidemment tirer plus de 3 fois dans ces barils multiplicateurs. Ça vous permettra d'avoir un plus grand score. Voilà, j'espère que vous arriverez facilement à passer ce jeu technique. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!